Nathalie, likolo na se, na moni te. Na anyo akokaki kolongola kombo akufa liboso na ngai. Ati na pasi ngai enga loboko na. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie de nous voir encore. De nous revoir encore une fois. Cette semaine où nous parlons de la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance qui nous ramène de la captivité à la festivité. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. De la captivité à la festivité. La puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, c'est une puissance illimitée. Une puissance illimitée. C'est un pouvoir absolu qui peut faire mal à toute chose négative. Lorsque vous avez cette puissance, vous êtes assuré de votre salut. Et ce matin, je vais clôturer avec le petit message que Dieu m'a fait grâce de parler avec vous cette semaine. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Saint-Esprit. Sans sa malade, m'a racheté. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire. C'est là mon sang. Louer le soudira. C'est mon histoire. C'est la moussa. Actes des Apôtres, chapitre 1. Verset 8. S'il y a quelqu'un qui peut nous lire, nous allons vite car nous n'avons pas assez de temps. Soyez bénis vous tous. Et sentez-vous dans la joie dans la maison de l'Éternel. Wow. Oui. Nous lisons 1:8. Et puis tu vas nous lire Proverbes chapitre 30 verset 21 à 23. Nous lisons nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Vous recevez une puissance. Et cette puissance, ce ne sera pas une puissance de garder à la maison. Et cette puissance nous amènera à être les témoins de cette puissance à ceux qui étaient à l'époque à Jérusalem, à Samarie, à Judée,
jusqu'aux extrémités de la terre. Eh bien, nous, nous sommes aujourd'hui au Congo. Nous devons être les témoins de la puissance du Saint-Esprit. Et tu diras Amen avec moi. Que Dieu doit être le témoin de la puissance, de la capacité d'agir du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes des témoins, le témoin est celui qui témoigne ce qu'il a vu avec certitude. Et vous devez voir la puissance de Dieu afin de témoigner. Et cette année 2024 ne terminera jamais si vous n'avez pas vécu la puissance du Saint-Esprit. Vous devez être le témoin dans vos familles, dans votre environnement, à la maison et partout. Et je vous promets, cette puissance n'est pas là pour jouer. Non, ce n'est pas seulement une puissance de chasser les démons. C'est une puissance qui peut créer. La puissance de la créativité. La puissance qui amène les choses qui n'existent pas à l'existence. Oui, I believe. Je crois au nom de Jésus-Christ. Je crois à cette puissance. La même puissance qui a ressuscité Lazare. La même puissance qui a ressuscité Tabitha. La même puissance qui a ressuscité Jésus de mort. Et la même puissance est là avec nous le dimanche d'aujourd'hui. C'est ma la même puissance. C'est ma la même puissance. Que David avait tué Goliath. Nous avons la même puissance. Nous allons témoigner la puissance du Saint-Esprit. Tu peux dire avec moi témoigner. Cette puissance du Saint-Esprit. La puissance et la capacité. Nous allons témoigner. Si tu ne témoignes pas, tu n'as pas reçu la Pentecôte. Tu n'as pas vécu la Pentecôte. Et nous qui avons vécu la Pentecôte et que nous continuons à vivre avec la Pentecôte, nous allons témoigner. C'est pourquoi Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, car il a vécu la Pentecôte. Vivez la Pentecôte, marchez dans la Pentecôte, observez la Pentecôte, et les choses seront faciles devant vous. Lis-nous, monsieur. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Yes. Trois choses font trembler la terre. Trois choses font trembler la terre. Et il en est quatre qu'elle ne peut supporter. Ah, il y a trois choses qui font trembler la terre. Il y en a quatre que le monde ne peut supporter. Donc, ça signifie, Satan ne fait pas trembler la terre. Ça signifie, la puissance des Chinois ne fait pas trembler la terre. Donc, tout ce qu'on vous raconte ne fait pas trembler la terre. La Bible me dit, il y a les choses que le monde ne peut pas supporter. Go ahead. Allons-y. Un esclave qui vient en régner. Mm-hmm. Un insensé qui est rassasié de pain. Uh-huh. Une femme dédaignée qui se marie. Uh-huh. Et une servante qui hérite de sa maîtresse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes? Oh, comment ce moment-là, c'est marqué, nous y sommes. Vous êtes. Est-ce que vous êtes disposé à recevoir le message? Il y a les choses qui font trembler la terre. On a dit quoi? J'aime ça. Un esclave qui vient. Non, on commence quoi? Trois choses. Trois choses qui font trembler la terre. Il en est quatre qu'elle ne peut supporter. Donc, faire trembler la terre et ne pas supporter. Il y a des choses nous pouvons vivre que ça ne fait pas trembler la terre.
COVID a fait trembler, c'était pour un temps. Et c'est passé. Et nous ne sommes pas tous morts. Amen. Et la Bible me dit, nous qui allons vivre la puissance du Saint-Esprit, écoutez, la première chose que le monde ne peut supporter, c'est avoir un esclave. Un esclave, par la puissance de Dieu, un esclave commence à régner. Qui est un esclave? L'esclave est la personne qui est privée de liberté. Donc l'esclave n'a pas le droit, il n'a que le devoir. Est-ce que nous sommes ensemble? Je commence à prophétiser par la puissance de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Cette année, quelqu'un de nous va aussi régner. Vous allez régner. Le règne, ce n'est pas pour une catégorie de gens. Le règne est pour tout le monde. Et je vous prophétise, comme le fils de Papa Bouka, vous allez régner. Vos enfants vont régner. Et la Bible me dit, un esclave peut régner. Je vis dans la Bible un esclave qui s'appelait Joseph. Un esclave vendu aux enchères. L'esclave qui coûtait cher à cause de la puissance de Dieu, de la prison au trône. Cette semaine, la puissance que nous avons, ce n'est pas seulement de chasser les démons. Ou si nous, au nom de Jésus, envoyez feu. Non, ce n'est pas actuellement fait. Cette puissance que vous recevez peut vous faire de vous un ministre, peut faire de vous un général, peut faire de vous un député, peut faire de vous un premier ministre. Recevez la puissance. Maman a levé de raisonner seulement avec le pagne dans la tête. Vous pouvez être aussi. Aujourd'hui, nous avons une première ministre, une dame. Amen. Enlevez la pensée de Boukhari, enlevez la pensée seulement de limiter vos têtes. Cette semaine, recevez la Pentecôte, allez régner au nom de Jésus. De la prison, Joseph a régné. Régner, ça fait bon. Régner, ça fait bien. Régner, c'est beau. Allez régner. Joseph, vendu par ses frères, jeté par ses frères. Mais Dieu l'a amené dans un pays d'autrui, et là où il a régné. Cette semaine, je n'ai pas assez le temps, je venais de nous. Mais je vous dis, vous pouvez régner. Attention avec la personne qui est à côté de toi. Tu ne sais pas son histoire. La personne a une histoire avec Dieu. Vous ne savez pas quand vous dormez. Vous pouvez dormir ensemble, mais vous ne rêvez pas ensemble. Chacun a sa façon de rêver. Chacun a sa façon de ronfler. Alors vous pouvez être ensemble, mais vous n'avez pas la même pensée. C'est pourquoi ce matin, je viens vous dire, Dieu vous amenez de la captivité à la festivité. Vous êtes coincé avec le traumatisme. Vous êtes là abandonné par vous-même. Vous ne saviez pas où vous pouvez vous en sortir. Vous étiez au bout du rouleau. Moi, je sais que la Bible me dit, mon rédempteur, il s'élève. Il est vivant. Il s'élèvera les derniers. Quand tout le monde aura m'abandonné, que cette fois-ci, tu ne feras rien. C'est là où le rédempteur arrive. Il a régné. Je n'ai pas besoin de détails. Quand tu règnes, on te change le nom. Il n'était plus Joseph. Il est devenu Panéa. Il a changé quoi?
Le nom qu'on t'a dit là, le Kémaner, lorsque tu vas régner avec la puissance de Dieu, le nom changera. Oh, hallelujah. Je sens la présence de Dieu. Je sens la gloire de Dieu. Vous ne sortirez pas ici de la même manière que vous êtes. Vous êtes venus. La puissance de Dieu va vous plonger dans l'eau du changement. Et ce changement-là s'appelle règne. Vous allez régner. Au ciel, c'est Dieu qui va régner. Mes frères et sœurs, mes parents qui vous êtes là, régnez ici. Régnez ici. Au ciel, nous serons là. Alléluia. Au ciel, il n'y aura pas de marché. Il n'y aura pas de conseil des ministres. Dieu lui-même va régner. Au ciel, il n'y aura pas de mariage. Oh, libala, libala. Il n'y en aura pas. Allez régner sur cette terre. Construisez ici au nom de Jésus. Voyagez ici au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que votre vie change par la puissance du Saint-Esprit. Vous avez Dieu, vous êtes de Dieu. Comment vous mourrez comme des hommes? Amen. Amen. Allez régner. Lorsque vous allez régner, le monde ne peut pas supporter. Ça va échapper le monde. Deuxième chose, quoi? Et qui est rassasié des pains. Un insensé. Écoutez, en Swahili, on dit un insensé qui l'oublie. Un vaurien. Écoutez, manger, il y a ceux qui ont droit de manger. Mais ici, la Bible me dit, un insensé. Donc, c'est rassasié, ce n'est pas donné à tout le monde. Maintenant, j'explique rassasié que la Bible dit. Ce n'est pas on tue les bitoyo, les fumbois, les bitekuteku, beaucoup de boukari. Non, non. Ce n'est pas ça, c'est rassasié. C'est rassasié, c'est que ta vie soit satisfaite. Amen. Amen. Que Dieu arrive à satisfaire vos cœurs. Voilà, elle a une révélation cette femme. Amen. Que Dieu satisfait le séjour. Je connais un insensé. Tu peux me donner l'idée d'un insensé qui sera satisfait? Il s'appelle Mephibosheth. Mephibosheth était le petit-fils du roi. Entretenez bien vos relations. Attention avec vos relations. Parmi ma vie, si j'ai fait 15 voyages à l'extérieur du pays, en Europe, aux États-Unis, ce n'est pas mon père. Les relations. Garde bien tes relations. Tu ne sais pas comment Dieu peut utiliser tes relations. Ne détruis. Il y a les démons qui détruisent aussi nos relations. Hein. Mais la puissance de Dieu va te mettre en bon terme avec les chefs de l'État, avec le ministre, avec tout le monde, avec les gouverneurs. Je refuse quoi que tu tiens seulement les relations avec les chefs de quartier et les gens qui remettent les courants dans les quartiers. Non. Non, là je refuse. Appelez-moi le frère, ça fait deux jours, on n'a pas le courant. Non, que Dieu vous introduit dans les grandes choses. Que Dieu vous introduit dans les choses les meilleures. Ayez les relations avec le premier ministre. Ayez les relations avec les généraux. L'avantage d'avoir quelqu'un. Ce monsieur-là, il a fait 38 ans parce qu'il n'avait pas quelqu'un. Si moi j'ai mon père, il est X. Le problème de 3 mois, il peut le régler dans 3 heures. Mephibosheth, son père était ami, Jonathan était ami de David. Bon, là je ne parle pas autre voix, pardonnez-moi. Vous savez que le gouvernement change, hein? Même à cette époque-là, ça a changé. Le roi
fuyant l'enfant, elle tombait, les pieds étaient réduits. Un jour, le régime a changé. Le roi David est devenu roi. Il a dit dans mon royaume, bon, un jour, le jour de souvenance, il regardait, il pensait. Il a dit, j'avais un ami qui s'appelait Jonathan. Vous n'avez pas la suite. Ah, laisse-moi dire quelque chose de très prophétique. Lorsqu'on commencera à te chercher par l'autorité du pays, lorsque Dieu met, qui place quelqu'un là-bas, qui a ton information, où on peut vous chercher facilement au nom de Jésus. Qu'on ne vous cherche pas, soit il n'est pas hors de permettre de cellulaire. Non, je refuse ça. Il y a des démons de hors de permettre de cellulaire, hors que vous êtes en cellulaire. Mais voilà. Tu as placé quelqu'un. Il a dit, oui, je connais quelqu'un. Là où il est à Lodeba, très loin. In English, when we say low, it's like damn. Tout est en bas. De là, on vendait. Le foufou, c'était par terre. Laisse que je prophétise encore. Je change ta vie. Laisse accepter biloko kakayase. Comment sont-ils aussi à traiter les bilocs et à l'icolo comme ça? Il y a les gens qui vont au marché tous les jours, vous acceptez, c'est loin ce qu'on a placé en bas. Là où était Mephibosheth, c'était l'eau. Débat. Tout était obscur, tout était noir. Mais à cause de la puissance du témoignage du Saint-Esprit, Dieu est allé chercher. Wow, I like it. Dieu est allé chercher. Dieu est allé chercher un infirme. Or, il y avait une loi au palais royal. Les infirmes, les boiteux, les aveugles, ils n'entraient pas dans le palais royal. Mais à cause de toi, la loi peut changer. À cause de toi, on peut changer la constitution. À cause de la puissance du Saint-Esprit, les choses de ta famille peuvent changer au nom de Jésus. Alléluia, Rabaseke, Ekerebabu, I love Jesus. Oh, alléluia. Monsieur, viens. Un handicapé dans le palais royal, on voit un handicapé entrer. Les gens posent la question, tu vas où? Réponds, il m'a appelé. Tu vas où? Amen. Tu vas où? Réponds bien. Tu vas où? Le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est la puissance de Dieu qui l'a fait appeler. Je te proclame ce matin, on t'appelait là où on n'a pas appelé ton père, où on n'a jamais appelé ta mère, où on n'a appelé personne dans ta famille. Et c'est moi ici, je prophétise encore, bientôt il y aura un gouvernement. Je veux que parmi nous, qui est des membres de gouvernement, on n'est pas ici pour accompagner les gens. Nous avons besoin de vous. Les gens vont te poser la question. Toi ici, dis-le qu'il m'a appelé. Dis qu'il m'a appelé. Dis-il m'a appelé. Ah, il m'a appelé. Dis-il m'a appelé. Dis-il m'a appelé. Laisse que ce matin, que le Dieu de Papa Bouka puisse t'appeler dans la festin, puisse t'appeler dans la fête. Toi qui étais abandonné, négligé, infirme, ne pouvais rien. Mais la Bible me dit, il y a les choses que le monde ne peut supporter. Il y a les choses qui font trembler les gens. Allez faire trembler les gens. Mon frère, toi reste là-bas. Mon frère, venez, vous quatre, venez. Ah, frère, vous apprenez ça qu'on a un handicapé, boy. Soulevez-les bien, c'est. Prenez au pied, monsieur.
Venez, placez-les ici. Non, non. Hé, hey, petit, amène la chaise là. Je veux vous voir comment Dieu peut élever quelqu'un. Dieu peut élever quelqu'un. Placez la chaise là-bas. Faites-le s'asseoir là-bas. De la même manière qu'on enlève, que ta famille soit élevée, que ton mariage soit élevé. Restez là-bas, restez là-bas. Écoutez, le roi a dit ceci, c'est toi, Mephibosheth. Oh, mon ami de longtemps, à partir de maintenant, tu mangeras avec moi. À partir de maintenant, tout ce qui était à toi, soit pour moi. À partir de maintenant, ce qu'on vous a prépris, ça soit restitué. On mangera ensemble. Je resterai ensemble avec vous. C'est ça la puissance. Le témoignage que nous devons témoigner. J'étais infirme, mais Dieu m'a amené au palais de la nation. J'étais pauvre, Dieu a changé ma situation. C'est encore possible. La puissance. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. La semaine prochaine, tu vas témoigner. Celui qui t'appelait pas, il va t'appeler. La semaine prochaine, la puissance du Saint-Esprit entrera dans le cœur de ceux qui ont les dettes. Ils viendront payer au nom de Jésus. Mon Dieu m'aime. Il m'aime. Comme il a aimé Jésus-Christ. Même amour. Témoigne. Crie. Talk, tell them. Dis-le. Amène-moi de l'eau. Pardon? Amène-moi de l'eau. Il est l'ami du roi. Oh, garde républicain, Wakuchoka, il vient. Il y a une bouteille ici. Il y a une bouteille ici. Maman, amène-nous de l'eau. Que l'ami du roi mange. Je te dis de la captivité à la festivité. Que Dieu vous amène là où les gens ne vous attendaient pas. Maman, sois aussi là dans la fête. Nafou Labino, sois là-bas. Bois, monsieur, depuis le matin, tu n'as pas encore bu de l'eau. Bois. Tu mangeras avec le président. Tu mangeras avec le roi. Tu mangeras avec les grandes personnes. Je vais aller dormir. Pardon? Je vais dormir. Je vais dormir. Alors, emporte-le. Qu'on vous ramène de la même manière. Non, ayez la tendresse, dit. Je sais que vous êtes des gardes républicains, mais ayez la tendresse. Écoutez, le même Dieu qui a mené Mephibosheth de l'Odéba au palais royal, vous allez témoigner. Dieu va vous amener. De là où tu étais mon Yabungo, il t'amène chez mon Yabungo jusqu'au trône. Dieu va changer ton histoire. Que Dieu change ton histoire. Au nom de Jésus-Christ. Vous allez témoigner. Allez témoigner. La puissance de Dieu. C'est ça la puissance. Il y avait une loi. Dit qu'il y avait une loi. Participez. Il y avait une loi. Que les infirmes. Les handicapés, les aveugles, ils n'accéderont pas dans le palais royal. Mais à cause de la puissance a changé la loi. Laisse que la loi de ta famille change. Où tout le monde mourait à l'âge de vivre. Que cette loi change. Les lois de faire de le mari, de père de la femme. À l'avant l'âge, je refuse cela au nom de Jésus. Troisième chose, il me reste quelques minutes. Wow, the time is over now. Une femme dédaignée qui se marie. Une femme dédaignée. Vous connaissez la femme qui était dédaignée? Qui? Ah, Toka. Léa! Dis Léa. La Bible me dit que Léa, ce n'est pas le temps. Léa avait des dieux délicats.
Vous savez, à cette époque, il n'y avait pas de lunettes. Mais elle avait des yeux délicats, macho mbaya. Hein? Une femme dédaignée, abandonnée, sabotée, c'est encore possible. Un jour, un monsieur est allé chercher marié. Le monsieur a pris la petite sœur. Chaque fois, il se désola. Lorsque vous êtes dans une maison, toi, la grande sœur, la petite sœur est mariée. Bon, vous allez partir au mariage, mais ça décourage. Hein? Elle est partie. On l'a aimée. Mais la sœur était là. Ce qui était terrible le jour du mariage, on l'a... Papa a dit, viens quand même. Je parle de la puissance du Saint-Esprit. Loba, amen. C'est amen. Moi, je parle, c'est d'apprendre ou à laisser. Mais je connais le Saint-Esprit. Vous voyez comment je suis là, je suis un peu lancé. Je vendais le maïs, hein, dans les bassins par là, dans la ville. Mais on m'appelait l'enfant de maïs. Est-ce que moi je suis un enfant de maïs? Attention, l'avenir appartient à celle qui avait cru que Félix Tshisekedi Béton sera président. Personne ne le croyait. Mais aujourd'hui, il est président de la République. Attention, Olinga Olingate, il est président. Vous comprenez? Léa est allée participer au mariage. Là, la petite, tu savais, la petite avait des amis et des fan clubs. Un fan club Rachel, un fan club Rachel. Mariage, Léa là-bas, abandonné. Mais la Bible me dit, arrivé au moment de donner la femme, le père a dit non, chez nous, on ne donne pas la petite, on donne. Au même moment, on a donné la... Dans le monde entier, c'est la première femme, peut-être dans l'avenir, où elle s'est mariée sans être courtoisée, sans être courtisée. Hein? Ma papa, vous savez, courtisée. C'est la première femme au monde. Elle a fait le mariage avec Tricot, avec le papa. Je vous réduis à vous faire comprendre comment la puissance de Dieu peut exercer. J'ai commencé du trône. David, il a été nommé comme Ijef. Il a été nommé comme premier ministre. Il gérait de la prison un esclave qui ne dépendait pas de lui. Vendu de la prison au trône. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et puis un étranger, il n'était pas de père et de mère, il était de loin. C'est encore possible ce matin. Dis encore, c'est encore possible. Crois à la capacité du Saint-Esprit. Vous allez recevoir la puissance. S'il venait sur vous, vous serez mes témoins. Allez, devenez les témoins. J'étais pauvre, maintenant je suis riche. J'étais célibataire, je suis marié. J'étais fonctionnaire, je deviens ministre. Je suis. Au nom de Jésus, vous avez droit à rêver. On a amené Léa. Léa a posé à papa la question, pourquoi tu m'as fait ça? Il y a les choses que Dieu ne vous parle pas parce que vous parlez trop. Mais si je t'avais parlé, t'allais compliquer ta sœur. Laisse que Dieu te surprend cette année. 2024, l'année de stabilité. La chaise que tu es assis là-bas, c'est quatre. C'est ces quatre pieds pour que tu sois stable.
C'est introduit dans la stabilité. Soyez stable en argent. Soyez stable dans les affaires. Soyez stable dans les études, dans les fonctions, partout où vous passerez. Soyez stable au nom de Jésus-Christ. Je vais terminer. Et la Bible me dit, c'est quoi, Yamoucho? Et une servante qui hérite de sa maîtresse. Amen. Une servante qui hérite de ta maîtresse. C'est qui? Il y avait une sœur, elle s'appelait Esther. Son père et son oncle étaient sentinelles. Le roi Assyrus avait organisé une fête. Le roi dansait avec ses amis ministres. Le roi appelait la femme, viens danser avec moi. Vous aussi les femmes, soyez sages. Papa t'appelle, oh non, je suis fatigué. Comme il y avait les gens qui voulaient seulement compliquer, sont allés dire aux anciens. La femme a mal répondu, hein? On a écouté. Et le roi était obligé de chasser la femme. Le roi. La dernière chose, c'est que le monde ne peut pas supporter. Le monde ne peut pas. Il y a les choses qu'on peut supporter. Mais il y a les choses qu'on ne peut pas supporter. De voir toi devenir premier ministre. Le monde ne peut pas supporter. Alors on a fait l'annonce que le premier ministre, le roi, cherche une femme. Le roi a chassé sa femme à cause de la désobéissance. On a envoyé dans la ville toutes les femmes de venir entrer dans le mariage. Le roi était là. Le roi. Amen. Le roi était là. Amen. C'est un orgueil, c'est papa. Le roi passé. On a ramassé toutes les filles du pays. On a amené les filles de Mongala. Passer devant le roi. Mkongango yango yo yango yo. Le roi dit pas toi. On a ramassé une fille de Mounande, c'est quoi? Maman et Mouka et maman. On a dit pas toi. On a ramassé une fille de Balouba. Elle dit Baba Wanye, Babi, pas toi. Pas toi. Pas toi. Vers 16h, vers 17h30, 18h moins le quart, le roi commençait à pleurer. Or qu'il y avait une fille, elle était de père ni de mère. Elle n'était pas dans son pays, mais elle ne connaissait pas ses parents, mais elle connaissait son Dieu. Elle s'appelait Esther. Elle n'avait pas de fan club. Elle n'avait pas de base. Elle n'avait pas de supporters. Mais elle avait Dieu. Le ciel s'ouvra. Elle ne savait pas les chansons du village. Elle le chantait tout simplement. Amen, itendea. Amen, itendea. Emmanuel. Amen, itende. Amen, itende. Emmanuel. Amen. Et puis Akati, elle a coupé. Tu sais ce qu'elle a dit? Zambé nanga azali. Elle a passé devant le roi. Là où le roi. Le cœur commença à taper. Et le roi l'obliboye. Outouboloukaka. Yeyo. Esther aïe. Ce soir-là, Esther a été ramassée. Elle était devenue la reine. Ce matin, une fille d'une sentinelle
Bana ba ministre baba dans la kabango na bango. Bana ba soldat baba dans la kabango na bango na ka. Bana ba pasteur baba dans la kabango na bango pasteur. Mais ce jour-là, Dieu a inversé. La fille des sentinelles, Dieu l'a amenée au trône. Laissez toutes les filles que vous êtes ici, que le Dieu de mon papa Bouka vous amène au trône. Maman, que Dieu vous amène au trône. Mon temps est parti. Je termine avec l'écriture et ce qu'il dit. Avec Dieu. Avec Dieu. Ça signifie, nous créons une entreprise avec Dieu. Moi et lui, nous nous mettons ensemble, nous allons faire les exploits. Ce n'est pas Dieu qui fait les exploits, c'est moi. Dieu fait les exploits au travers de moi. Et la Bible me dit, il écrasera des ennemis. Est-ce que vous avez vu Dieu écraser les ennemis? Dieu écrase l'ennemi au travers de toi. Que la semaine qui commence, allez faire des exploits. Allez écraser les ennemis. Au nom de Jésus. Je cherche quelqu'un. Ce matin, la personne qui va régner, qui va honorer Dieu, qui va écraser les ennemis. C'est pourquoi ce jour-là, dans les Jourdains, les Lévites allaient avec l'arc, l'eau fuyait, l'eau ne fuyait pas les pieds de Lévite, l'eau fuyait la puissance de Dieu. Il reçoit Hamashia qui était sur eux. Les démons ne craindront pas vos lunettes, vos habits, les démons vont craindre la puissance du Saint-Esprit. Je vais vous demander de vous lever une minute là où vous êtes. Natali, Nicolo Nassé, Namonite. Nanyo, akoka kikolongo, la kombwa kufali boso nangai. Kakayo. Atina pasi ngayenga roboko na.